Et bonsoir à tous. Ouais, je sais plus comment commencer mes intros, comme je vous l'ai dit. On se retrouve encore une fois sur MW2. On va faire le trophée Ne touchez pas au pont. Donc pour ce faire, on va dans la mission Eau trouble. Alors là, il m'a cassé les couilles ce trophée. Parce que franchement, déjà, le truc, il a à faire en fin de mission, on peut dire. Donc si vous vous foirez, parce qu'il y aura des checkpoints entre deux, on va dire. Enfin, quand vous traverserez le pont. Donc si vous vous foirez, t'as plus qu'à recommencer. Donc il est un peu chiant. Et je l'ai fait plusieurs fois et j'y arrivais pas. Donc, quand on triche, il faut le dire. Oui, j'ai été voir un truc américain. Et puis, qu'est-ce que vous allez. Je fais une vidéo en français, vous n'êtes pas content? Je galérais parce que, franchement, quand vous allez voir ce qu'il faut faire à la fin pour avoir le trophée, c'est de la merde. En plus, on a l'impression, vous allez croire un truc, vous dites, non, mais attends, c'est pas. Je suis sûr qu'il faut faire ça. J'ai essayé, je suis tombé combien de fois comme une merde, ça m'a saoulé. Et quand vous allez voir ce qu'il fallait faire, bon, c'est un peu. Ah, il m'a fait chier celui-là, c'est un peu de la merde. Franchement, c'est de la merde. Bon, allez, on enchaîne. Donc, bien évidemment, je vous conseille de vous mettre en recrue parce qu'en fait, il va falloir traverser tout le bateau sur les caisses avec les ennemis. Donc, si tu te mets en vétéran, je pense que t'as pas compris, voilà, t'as pas compris le truc. Bon, après, tu peux le faire hein, si t'as un skill légendaire, respect à toi. Et comme je le disais, vous allez voir ce qui, moi, m'a cassé les couilles. Donc, c'est tout à la fin. Donc, là, bon, je pense que je vais accélérer la capture parce que bon je vais pas commenter tout le voilà, vous trouvez le chemin de toute façon si vous regardez vous allez voir quel chemin j'ai pris il y aura forcément un chemin on va dire type à prendre pour voilà il faut que vous sautiez à chaque fois de caisse en caisse pour aller à la zone finale. Ouais je sais c'est complètement con, c'est pas moi qui fais les trophées faut pas dire ça je sais pas, je comprends pas ce qui passe des fois dans la tête des développeurs. C'est vrai que des fois tu fais des trucs, puis tu te dis. Enfin, c'est pas le plus pourri. Hein. Retenez bien, je crois que ça s'appelle journée merdique ou un truc comme ça. Alors lui c'est. À lui, c'est de la merde. Et dans tous les sens du terme. Bon, bah, allez, j'accélère le mouvement. Et là j'aime bien parce qu'on arrive à la fin. Et comme vous le voyez, il y a une petite. Enfin là forcément je vis donc vous ne voyez pas. Mais tout au bout là, vous voyez, la caisse là qui est bien en plus dans la lumière. On dirait, tu sais, c'est le truc, c'est. Voilà, c'est. Saute-moi dessus. Non, non, bah, va pas là-bas. En fait, soit tu passes à gauche et tu sautes sur la rambarde, ou tu peux faire la même chose à droite. Il faut que tu restes là sur la barrière. Vous avez vu la caisse à droite là? Elle est là, elle est illuminée. Rien de dire saute-moi dessus, saute-moi dessus. Bah non, c'est pas ça. Voilà, vous longez le truc, vous sautez, voilà. Et là, moi, le trophée s'est débloqué à cet endroit-là. C'est complètement con. Franchement, c'est complètement con. Donc là, vous voyez bien, là, les caisses descendent sur la droite. Après, ça va faire la même chose sur la gauche. Donc, vous pouvez, ce que je viens de faire, vous pouvez normalement le faire sur la gauche. Mais moi, j'ai essayé de rester sur les caisses, puis de sauter, là, sur la caisse illuminée. Bah non, ça, enfin, j'ai jamais réussi. Et on voit bien qu'on est trop loin pour sauter. Donc, soit vous restez à gauche, soit vous restez à droite, puis vous montez sur la barrière. Et vous la longez pour arriver ici et pour que le trophée tombe. C'est complètement con. C'est moi, franchement, ça m'a fait péter un câble. Donc, merci aux Américains d'avoir les jeux en avance. Allez, je vous dis à très vite sur d'autres vidéos. Salut!